C'est les vacances! Regardez-moi. C'est les vacances, jour 1 et boyfriend est déjà tanné de moi. Santa Johnny left a vlog miss under the tree. Fait que, il est 8h05 du matin. On a eu une nuit magnifique. Le GGR est à la garderie. Et là, on a plein d'affaires là. On passe en force nous autres, tabarnak. Ça fait 2 semaines qu'on fait rien. Là, on fait tout ce qu'on n'a pas fait pendant 2 semaines à mat. Ouais, c'est les vacances, mais début de vacances, on va être un peu productif là. Pour pouvoir en profiter un peu plus tard. Là, on en profitera pas un peu plus tard parce qu'on va être brûlé. Non, mais comme mec, quand on tombe en vacances avec GG, mais on va pouvoir être à 100% avec lui, genre à comme faire des jeux, puis comme être là à 100% pour lui. Des jeux qu'on va finir par faire juste moi plutôt parce que GG va se colisser. Ouais. Ça, le matin, on m'a emballé les cadeaux. On s'est fait des bons petits cafés glacés avec un peu de crémette dedans. Ouais, parce qu'il fallait qu'on célèbre notre nuit. Ouais, je vais manger un petit bang de health. C'est ça. On dirait que quelqu'un volait ton arbre. C'est toi qui as volé mon arbre, Esti. Ben ouais, aujourd'hui, mission emballage de cadeaux. Puis ce qu'on fait à chaque année, boyfriend et moi, parce qu'on aime ça emballer nos cadeaux ensemble. C'est que nos cadeaux qu'on se fait à nous, on les emballe comme dans des boîtes qu'on peut pas savoir c'est quoi. Comme ça, on peut emballer nos cadeaux un devant l'autre vu que les boîtes sont comme fermées là, préalablement. Fait que c'est le fun parce que ça nous fait une petite date d'emballage cadeau. Bon, je n'en ai pas convaincu, mais moi j'aime ça chaque année, quand la journée ou la soirée qu'on emballe les cadeaux, c'est tout le temps le fun. Ouais, je suis emballée. On va se mettre la petite musique, on pourrait s'allumer la chandelle au chocolat chaud. Ouais. Puis sinon c'est ça, on va faire aussi des petites tâches, puis plein d'affaires. On sort pas aujourd'hui, on fait ça parce que je suis tombée dans ma semaine. Fait que c'est le plan parfait. Première journée de congé, bien relax, même que je suis en gros jogging. J'ai le outfit par excellence d'emballage de cadeaux. C'est parti! Ah, hier on écoutait un bon film. C'était quoi, Mission Noël? Mission cadeau. Sur Disney+. Ouais. C'était cool. Ouais, c'était bien bon. Alors, on a sorti tous nos emballages ici. On a tout libéré la table. Ici, on a mis tous nos cadeaux qu'on a à emballer. Pogne le milieu de ton papier. Fais 2-3 fois ça. Ça, tu plantes ça dans le milieu. Comme ça. Vraiment plus tard, il est rendu genre quasiment 2 heures je pense et on vient de terminer d'emballer les cadeaux. Ça nous a repris la journée mais au moins on a tout fini. Cadeaux éducatrices, les cadeaux à Eugène, les cadeaux de boyfriend, mes cadeaux de boyfriend, bonne Noël, cadeaux pour Mia, cadeaux qu'on offre à nos familles. On n'a pas beaucoup de cadeaux là, à nos familles, mais on a quand même une petite pensée, plusieurs petites pensées. Puis on a également des cadeaux pour des jeux. Fait que là, tout est fait. C'est poche parce que tu sais, comme ça a pris toute la journée, mais en même temps, c'est vraiment satisfaisant de se dire que ça c'est fait. On n'a plus besoin de se penser. Il va nous rester nos cartes bricolage à faire. Fait que pour le moment, on a tout mis ça dans mon bureau parce que avec Mia et Gégé, je pense pas que c'est une bonne idée de mettre tout de suite en dessous du sapin. Il y a juste les trucs dans les bonnes Noël, là, vu que c'est en hauteur qu'on a mis déjà dans les bonnes Noël. Mais sinon, on va fermer la porte de mon bureau, puis on va espérer que ni un ni l'autre aille jouer là. Fait que c'est ça, une bien bonne chose de fait. Là, on a pu comme ranger les papiers d'emballage et tout ça. Comme on pouvait pas aller chercher GG tout de suite, parce qu'on peut pas aller le chercher pendant que c'est l'heure de la sieste, malheureusement. Fait qu'il faut attendre après la sieste pour aller le chercher. On a bien hâte. On s'est dit qu'on allait en profiter pour jouer un petit jeu en amoureux. Puis, ben, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que c'est toujours
le fun, je trouve, des suggestions jeux qui ont été testés. Surtout des jeux à jouer à deux. C'est comme plus rare de comme... J'ai l'impression que souvent il y a des jeux qui jouent à beaucoup, mais en tout cas, boyfriend et moi, souvent on est juste deux quand on joue à des jeux. Fait que j'ai ces petits jeux-là que ça fait quelques années qu'on a acheté puis qu'on adore. C'est le fun parce que c'est un jeu que les parties sont quand même rapides. Fait que c'est le fun si vous avez des enfants puis que vous n'avez pas nécessairement 3 heures pour jouer à des jeux. C'est un petit jeu super abordable. Qui... Je sais pas si vous avez parlé dessus. Qui se traîne bien puis tout ça. Fait que ça s'appelle Des Pirates. Puis c'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est 2 à 5 joueurs et 8 ans et plus. Fait que je vous le suggère vraiment. Nous, c'est un de nos préfs. Fait que c'était juste ça. Juste une petite suggestion de jeu comme ça. En passant. Puis je tiens à dire que j'ai battu Boyfriend. Coucou! GG est revenue de la garderie. Comme vous pouvez voir, on a été le chercher tantôt. On est arrêté aussi au petit marché du coin. Acheter 2-3 petites choses qui nous manquaient pour souper. Puis 2-3 petits trucs pour des collations. Puis trucs pour GG là. Et des fruits, des petits légumes. Là, ils trippent beaucoup sur les tomates cerises. Des petits yogourts. C'est la base, qu'est-ce qu'on avait besoin. Là, on n'a pas fait la grosse épicerie. Puis sinon, ben c'est ça, ça fait un petit bout qu'il revenait à la maison, qu'on joue ensemble pis tout. Puis là, on vient d'aller regarder dans le sac magique. Et Gégé s'est choisi une passe de reine. C'est pas moi qui ai acheté ça. Je sais pas si c'est pas ma mère qui avait mis ça dans le sac, je sais pas. Une passe de reine. Il a choisi, ben j'ai choisi avec lui là, parce que j'avais hâte de le faire. C'est une petite activité d'autocollant amusant de bonhomme de neige. Fait que dans le fond, c'est faut habiller le bonhomme de neige pis tout. Fait qu'on va faire ça ensemble avant le souper. Sinon, pour bien commencer les vacances, Boyfriend va nous faire un petit verre pour fêter le début des vacances. Fait que moi, je vais me prendre un spritz pis Boyfriend va prendre un classique gin au pétillant. On va l'ouvrir. Hein? Regarde mon amour, ça c'est le bonhomme de neige. Là dans le fond, il faut qu'on fasse le bonhomme. Avec les collants qu'il y a. Il y a le chapeau. Tiens, tu veux-tu mettre le chapeau? Il va où le chapeau? Il va sur la tête. Wow! Ouais, il va être drôle le bonhomme de neige. Est-ce que tu veux mettre... Ben on l'a déjà mis le chapeau mon amour. Maman va mettre le foulard. C'est toi qui le mets. Il va où le foulard? Qui va dans le cou? Le papa? Ouais, t'es bon! Tu mets où le nez? Oh! Le nez, il est où, Gégé? T'es bon! Ouais! Il est où le oiseau? Ouais! Il est où l'oiseau? Ouais! Ouais! Je crois que notre bonhomme de neige a pris un verre de trop. Waouh! T'es bon? Ouais. D'accord? Ouais. Bravo! Est-ce que tu veux montrer ton œuvre, Gégé? Voilà notre bonhomme de neige. Il était un petit peu pâté le matin quand il s'est habillé. Son nez est tombé comme Michael Jackson. C'est cute. Fait que comme vous avez vu, on a fait de la petite activité. Là, je me souviens plus que j'ai dit, que j'ai pas dit. Ça a donné ça. Vraiment drôle, vraiment cute. Puis c'est ça, c'était le fun. On dirait que j'ai pas pensé, mais j'aurais dû comme en acheter un ou deux pour que Boyfriend et moi puissent comme avoir les nôtres aussi en même temps que Gégé fait le sien. Puis là, Boyfriend était en train de faire à souper pendant que Gégé et moi, on a écouté la moitié d'un épisode de Le Monde Secret du Père Noël. Genre l'émission par excellence quand j'étais jeune. De Noël, dans le temps des fêtes, on écoutait tellement ça. Je m'étais dit que j'essaierais d'écouter un épisode avec Gégé. On a écouté 5 minutes, mais ça m'a tellement rappelé des souvenirs. Pour souper, on essaie ça pour la première fois. Là, je vous avais montré qu'on les a achetés. Fait que c'est burger à la face de dinde. C'est dans les trucs des fêtes chez Maxi. De Le Choix du Président. Fait que bien intriguée, bien hâte de goûter à ça. Dans le fond, c'est des genres de boulettes de dinde à burger avec de la camberge dedans pis tout ça. Fait qu'on va souper. On se fait ça un hamburger, là, évidemment. On a acheté des pains kaiser. On a mis de la mayonnaise. Moi, j'ai mis de la salade, du fromage de chèvre. Je pense que ça va être bien bon. J'ai hâte de voir. Si jamais ça vous intriguait, vous autres aussi, mais vous saurez ce qu'on en pense. Fait que ça ressemble à ça, la boulette.
je vous donne mon avis après le souper. On vient de terminer de souper et verdict, le boyfriend lui a pas tout mangé sa boulette, il a fini par enlever sa boulette parce que goût très très bon, mais au niveau de la texture, pas difficile ces textures, puis j'ai trouvé aussi que c'était un peu désagréable. Puis boyfriend lui est vraiment difficile la texture. C'est qu'il y a des poireaux dans la galette. Quand tu croques dedans, ils sont durs comme à un peu sectionnés. Puis ça fait genre une texture comme un peu fibreuse. C'est pas très agréable. Mais pour le goût, c'est très bon. Et la seule chose, c'est que sur la présentation, genre, il y avait comme un genre de petit confit de canneberge dans le burger. Mais on dirait, moi, ça m'avait donné l'impression que ça allait full goûter le canneberge. Il y en avait dedans, mais ça goûtait pas tant. Fait qu'on dirait que je recherchais un peu le goût du sucré dans mon burger. Fait que j'ai été chercher, bien sûr, j'allais pas me faire un confit de canneberge, ça slide, là, vite, vite. Mais je me suis rappelé qu'on avait de la confiture de cerise qui se rapproche un peu de la confiture de canneberge, là. Puis j'en ai mis juste un peu dans mon burger, puis là c'était vraiment délicieux. Ça complétait vraiment bien avec les saveurs de la boulette, puis le petit fromage de chèvre qu'on avait mis. Fait que moi j'ai quand même vraiment apprécié. Je pense pas que j'en rachèterais à cause du truc des poireaux, mais ça m'a inspiré de me faire des genres de sandwich comme avec confit de canneberge, fromage de chèvre. Ça m'a inspiré des idées de recettes. C'était le fun de l'essayer, mais comme je vous dis, je rachèterai pas. Goût, bon, texture, non. On est rendu le lendemain matin, fait que samedi matin. Ce matin, on a pris ça relax, on a écouté des petites émissions dans le lit. Après ça, boyfriend a fait des crêpes. Puis pendant qu'il faisait les crêpes, j'ai été prendre une bonne douche, laver mes cheveux, tout. Puis j'ai fait la liste d'épicerie, le menu de la semaine, puis tout ça. Gégé m'a aidée en dessinant sur ma feuille, puis en mettant des petits collants. Puis là, plan de match aujourd'hui, on va aller faire l'épicerie bien relax. Puis on va peut-être arrêter chez Dolo pour des petits crochets, pour accrocher nos lumières. Fait que c'est pas mal ça. Non, c'est ça, ça fait du bien d'être en vacances. Ça fait deux nuits qu'on a des bonnes nuits. Ça ferait vraiment du bien. Puis là, ouais. Je suis due pour faire du montage. Puis c'est vraiment rare que je prends ça aussi smooth là, que ça. Mais à date, en décembre, avec tous les virus, puis les vaccins, puis tout ça, j'ai pris ça vraiment smooth. Puis ça fait quand même du bien, là, honnêtement, vu que depuis le début de la chaîne, j'ai rarement fait ça, là. Je me dis que de toute manière, on a deux semaines de vacances, c'est probablement que je vais sûrement reprendre un petit beat, là. C'est ça. Je pense que je vais fermer le vlog là-dessus. Je pense que ça va avoir été un super court vlog. Fait que j'aime mieux faire des courts vlogs que des trop longs. Fait que je voulais en commencer un aujourd'hui. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis on en repartira un nouveau. Bisous, puis on se voit dans la prochaine vidéo qui risque d'être peut-être un peu plus palpitante. Bye!